équipe et puis les Italiens vont vivre une page de leur histoire. Pour la toute première fois dans l'histoire du biathlon féminin, c'est l'équipe d'Italie qui s'impose sur un relais. Évidemment la récompense de tout un staff hein, comme à chaque fois sur une médaille dérôlée avec cette proposition en plus très stratégique, très intelligente avec les deux leaders Dorothée Aguirre et Lisa Vitozzi intercalées et Samuela Comola qui vient de recevoir sa médaille qui est la première relayeuse qui l'était en tout cas hier pour cette équipe italienne. Dorothée Aguirre la deuxième, Anna Oren Thaler, la toute jeune Anna Oren Thaler qui a disputé aujourd'hui la toute première master de sa carrière. Elisa Vitozzi qui décroche une autre médaille dans ce championnat du monde, encore une après l'argent sur le relais mixte, le bronze sur l'individuel et sur le relais mixte simple, l'or sur le relais. C'est hier d'avoir à entendre l'hymne italien, le voici. C'est beau quand on marque l'histoire de son sport. Ouais, l'Italie, championne du monde donc pour la première fois sur le relais féminin, c'est extraordinaire. Ouais, et puis c'est l'hymne est sympa, donc c'est cool. Et puis elles ont fait le travail, hier, elles ont toutes les quatre fait le job, donc elles n'ont pas volé ce titre. Et ces deux générations, côte à côte, Alexis, avant de revenir à l'équipe de France et revenir sur l'émotion tout à l'heure, Danaï Chevalier-Boucher, on accueille Julia Simon sur notre plateau pour continuer à revenir sur ces mondiaux. On vous emmène dans les coulisses également de la fin de ces mondiaux avec Charles-Antoine.